Alors, écoutez, sans plus tarder, maintenant, on va entamer. Je dois d'ailleurs d'abord souligner que nous sommes présentement en territoire autochtone non cédé, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Donc, merci de nous permettre de tenir cet événement-là ici ce soir. En plus, ce que je voulais vous dire, peut-être que vous ne l'avez pas su, mais aujourd'hui, pour la Journée mondiale de l'eau, la ville de Montréal et l'Université McGill sont devenues des communautés bleues. Donc, c'est une grande nouvelle et encore une fois, bravo à tout le monde qui a participé. On va en reparler un petit peu de qu'est-ce qu'une communauté bleue. Et bon, vous l'avez peut-être vu là, mais je vais le mentionner à la fin aussi. Si jamais ça vous tente là, ben, en fait, je suis certaine qu'à la fin de la présentation de ce soir, ça vous tentait bien gros de nous supporter, que ce soit par des dons ou par du bénévolat. Donc, vous pourrez là à la sortie, il y aura des bénévoles là, avec des planches à pince là, des tables à l'entrée aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, on commence sans plus tarder avec Madame Maud Barlow qui est ici avec moi ce soir. Madame Barlow, en fait, est la présidente honoraire du Conseil des Canadiens et elle préside le conseil d'administration de Food and Water Watch, qui est basé à Washington. En 2008 et 2009, elle a exercé les fonctions de conseillère principale sur l'eau auprès du 63e président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et elle a aussi dirigé la campagne visant à faire reconnaître l'eau comme un droit humain par l'ONU. Elle est également l'auteur de dizaines de rapports et de 18 livres, dont les derniers Blue Future et Boiling Point. Et elle a reçu 14 doctorats honorifiques et de nombreux prix, dont le prix Nobel alternatif en 2005. Donc, bravo. Je peux vous dire que c'est vraiment un honneur pour moi de m'entretenir avec elle sur scène ce soir. Et comment on va fonctionner, en fait, c'est que je vais lui poser des questions en français et elle va répondre en anglais et je pourrai faire un petit résumé là, en français de ce qu'elle va dire. Parfait. Donc, on commence sans plus tarder comme ça. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'eau et le thème cette année de la Journée mondiale de l'eau, c'est Water for All, de l'eau pour tous, de l'eau pour tous et toutes. Alors, on va commencer en parlant justement de l'accès à l'eau, de droit à l'eau. Le droit à l'eau potable et aux services d'assainissement a été reconnu officiellement comme un droit humain par les Nations Unies en 2010. Et maintenant, 9 ans plus tard, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce que ce droit humain à l'eau est respecté dans le monde? Merci beaucoup, Alison, et merci beaucoup à tout le monde. Je vais parler en anglais, je comprends presque tout, mais c'est meilleur pour moi et pour vous si je réponds en anglais. The right to water and sanitation was officially recognized by the United Nations General Assembly on July 28, 2010. And when I tell people that, it was quite recent, they say, well, I don't understand. Surely the right to water is a motherhood. And I say, you don't know the fight that we had to put up to get the human right to water recognized. I mean, we were up against the World Bank and big parts of the UN and all the big water companies and the big food companies and many, many countries, including Canada. So it was an enormous fight. And I think I'm going to stop there and you're going to say that and then I'm going to talk some more. Alors, le droit à l'eau aurait dû être reconnu il y a longtemps de ça, mais il y a eu toute une bataille qui a eu lieu contre les compagnies, surtout même contre la Banque mondiale, pour faire reconnaître le droit à l'eau comme un droit humain. Well, that's shorter than what I said. I can't translate all of what you're saying because it's going to be too long and I'm sure people understand you. You speak with your heart, so it's fine. It was extremely important to have the United Nations recognize the human right to water because many people say water is a human need and can be taken care of by charity. And that's a very different concept than saying water is a human right and therefore an issue of justice, and that no one should have to watch their child die of waterborne disease because they cannot afford water. It's not an issue of charity, it's an issue of justice.
Alors le droit à l'eau n'est pas... Le droit à l'eau, ce n'est pas une nécessité, c'est un droit, c'est un potentiel en fait, parce que ce n'est pas une question de charité, c'est une question de justice. There are three obligations on all governments, and by the way, all governments in the world now that belong to the UN are officially endorsed the human right to water. The three obligations, the first is that they must provide water and sanitation. They must come up with a plan to provide water and sanitation to those who don't have it. Alors, les trois obligations que tous les pays doivent respecter qui sont membres des Nations Unies. La première, c'est de fournir de l'eau potable et des services d'assainissement. The second is that they cannot remove a right that's already been there. So when the city of Detroit started shutting off water services to tens of thousands of people in Detroit, for instance, that was a violation of their human right to water and that obligation. Alors, les pays ne peuvent pas retirer là, un droit qui a été défini comme, par exemple, à Détroit, ce qui a été fait. And the third obligation people don't know about and is very important is that all governments have a responsibility to ensure that local water sources are safe and not polluted. So we should be using this when we're having fights against fracking or factory farms or a whole bunch of other ways in which water is being destroyed by industry and corporations. Et la troisième obligation, c'est qu'ils ne peuvent pas polluer les sources d'eau potable. Et ça, on devrait vraiment l'utiliser, notamment ici au Canada, avec l'agriculture, les différentes sources de pollution, comme les mines, par exemple. Now you asked what has happened since. There are now over four dozen countries in the world that have either amended their constitution to recognize the human right to water, or they've adopted a new law. And that's a very big step. Many, many countries have actually undertaken a plan. I've just written a new book that comes out in the fall on blue communities, talking about the actual real progress we're making in parts of the world. Donc, dans certains pays du monde, il y a vraiment des progrès, notamment plusieurs pays qui ont changé leur constitution pour respecter leurs obligations. And a number of communities have used the courts to promote the human right to water through using the UN resolution. My favorite is the Bushmen of Kalahari in Botswana. They wanted them to leave the desert. They found diamonds. They wanted to use it for ecotourism, and they forced them off. They kept coming back. So the government shut off, destroyed their bore wells, their water wells, and they went to court again and again. But when the UN resolution came along, they went back to the Supreme Court, and the Supreme Court said, based on the UN resolution, they not only had a right to go back to the desert, they had a right to water and a right to compensation for the terrible time they had had when they had no water. Donc au Botswana, le gouvernement a voulu que des populations entières soient se retirer, il a détruit leurs puits d'eau potable et ces personnes-là sont allées jusqu'à la Cour suprême et ont fini par avoir le droit de retourner chez eux sous le droit humain à l'eau reconnu par l'ONU. Just the final thing on this first question that I want to say is that we are making advances. However, we're up against, and we're going to talk about this in another part of the discussion, we're up against the water, the ecological water crisis. So we're trying to catch the human issue while we're seeing deteriorating situation for water itself. And that's what I call the perfect storm of a problem coming. Alors, on va en parler plus loin, mais oui, on a des progrès, mais il y a aussi énormément de pression qui s'est mise sur l'eau. Et c'est ce qu'elle appelle là, un peu une tempête parfaite qui s'en vient pour la suite. Mais merci. Donc, justement, par rapport à la reconnaissance du droit humain à l'eau par les Nations Unies, fait intéressant, lors du vote à l'ONU pour reconnaître le droit humain à l'eau, le Canada s'était abstenu de voter. Donc, le Canada n'a pas voté pour la résolution, il s'était abstenu. Et j'aimerais que vous nous disiez, en fait, qu'est-ce que cela signifie pour le droit à l'eau, mais au Canada? It was a very embarrassing and horrible reality when I was a volunteer advisor to the president of the General Assembly the year that we were preparing for this, when the Canadian government was fighting us all the time. Like, they were the most, it was under Harper, Stephen Harper, they were the most vociferous opponent of all the countries at the UN against the human right to water. Donc c'était assez gênant là, quand on était à l'ONU et que le gouvernement Harper les combattait constamment pour que le droit humain à l'eau ne soit pas reconnu.
When I used to speak on panels at the UN, the Canadian delegation, again, remember this was Harper's delegation, would sit there with big bottles of Fiji water. Right? Oh, it was really embarrassing. Je crois que vous l'avez compris, c'est là, avoir votre réaction. Donc, c'était vraiment gênant de les voir assis avec des bouteilles d'eau de Fiji avec eux. But since then, all the countries of the world that belong to the UN have signed on to Rio Plus 20, which included the human right to water, and have signed on to the SDGs, the development goals that have just been renegotiated, because the first were 2000 to 2015, and now there's new ones, and we fought to insert the human right to water and sanitation back into the SDGs, so all governments that support those, including Canada, now officially support the human right to water. Alors, tous les pays qui pour les objectifs du développement durable qui sont reconnus par l'ONU, tous les pays qui adhèrent à ces objectifs-là et qui doivent les réaliser bientôt, ils se sont battus là, pour remettre le droit à l'eau dans ces objectifs et il est là, finalement. The reason that the Harper government was opposed, I believe, they never said this, but I feel quite sure, was that they didn't want to have us and First Nations in Canada to have a tool, a political tool, to say, look, water is a human right, because we know that the situation for drinking water and sanitation in so many First Nations communities in Canada is a disgrace, right? Yeah. And having the UN say human right to water, it isn't just in some countries, it's right here in the global north, right here in Canada. They didn't want that. Alors, la raison pourquoi ça s'était pas dit clairement, là, mais elle pense que le gouvernement à part ne voulait pas fournir un outil politique principalement pour les communautés des Premières Nations pour qu'elles puissent aller demander à avoir de l'accès à l'eau potable, ce qui est toujours pas le cas, là, même sous le gouvernement Trudeau quand même. There are many, many issues around water in Canada. We think we have better laws than we do. We have had better laws than we currently have. Again, under Stephen Harper, the three most important laws that we had on water, the Navigable Waters Act, the Fisheries Act, and the Canadian Environmental Assessment Act, were all gutted. Now, they have been mostly restored under the Trudeau government. Although we're still concerned about the Navigable Waters Protection Act, we still don't have all the lakes and rivers back into that act. But there has been improvement, I have to say that. Alors, c'est sûr qu'au Canada, on a quand même des meilleures lois qu'ailleurs, mais on en a déjà eu des meilleures encore. Il y a notamment trois lois importantes qui, soit peur, ont été complètement là, coupées, là, pratiquement. Et là, il y en a certaines qui reviennent, mais notamment, ce n'est pas tous les lacs et les rivières qui ont recommencé à être protégés comme avant Harper. And there has been a great deal of funding put into water, freshwater services and sanitation in First Nations communities under this government. We are nonpartisan in my organization. I say I have the right to be mad at any government. So I'm just telling you the facts that they have put some quite good funding into the issue of these boil water advisories, and they are supposedly on track to meet every one of the long-term problems, anything over 2 years, within the next couple of years. So it is, I think there has been real movement that's taken place here. Donc, il y a un peu d'argent qui a été remis, là, des fonds, là, notamment justement pour toutes les municipalités, les communautés où est-ce qu'il y a des avis d'ébullition depuis plusieurs années. Là. However, there is so much to do. We have not mapped our groundwater properly. We have no groundwater protection in law. We allow an enormous amount of pollution. We allow chemicals and pesticides and fertilizers not allowed in many places, particularly Europe, which was an argument we made when we said, do you want to get into a trade agreement with Canada? Because you're going to be pressured to take these chemicals and so on. We don't have any laws around animal waste, which is stunning. If you realize that we have laws around human waste, we have none. So we have eutrophication, which is the runoff from factory farms and heavy nutrient load, killing Lake Winnipeg, killing Lake Erie. New report yesterday on the Great Lakes that they are warming, that they are getting sick from these nutrient overloads. We have so much to do. We have so
taken our water for granted. I call it the myth of abundance. We grew up believing we have so much water, we can put whatever we want into it, move it wherever we want from one place to another. We don't have to care. And we better get our act together in this country because we have trouble coming here, I promise you. Donc, il y a tellement à faire, notamment, il n'y a toujours pas de carte disponible de toutes nos sources souterraines, pas de protection des sources souterraines ici au Canada. Il y a encore la pollution qui est permise de nos lacs, de nos rivières, notamment par disons, les eaux usées là, provenant de l'élevage, alors qu'il y a des lois pour les eaux usées des humains, il n'y en a pas pour les animaux. Et il y a encore tellement à faire aussi au niveau des lacs. On sait notamment les grands lacs qui se réchauffent. Et c'est ce qu'elle appelle un peu le mythe de l'abondance. C'est qu'on a grandi en se faisant dire constamment qu'on a énormément d'eau au Canada. Mais ce n'est pas la situation est beaucoup moins rose que ça. And last word for this question. I just want to say a shout out to the government of Quebec that is one of the few in Canada that has named water as a commons belonging to the, collectively to the people. And saying that the people have a collective responsibility to be involved in water, which doesn't always mean it happens, but there we do have that precedent here, and I think it's something that should be used. Donc, elle quand même veut souligner que le gouvernement du Québec est un des seuls gouvernements au Canada qui a reconnu l'eau comme un bien commun, ce qui est essentiel. Donc, c'est la situation un peu pour le droit à l'eau. Maintenant, pour ce qui est de la situation de l'eau en général, on le sait, la demande mondiale pour l'eau, elle s'accentue d'année en année, alors que les réserves d'eau potable se tarissent et que la pollution des cours d'eau aussi s'accentue partout. En fait, selon l'ONU, s'il n'y a rien qui change, la planète va faire face à un déficit global en eau de 40% quand même, juste en 2030, là, donc c'est demain, on pourrait dire. Donc, quelle est la situation là actuellement, présentement? Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà en train de vivre la crise mondiale de l'eau? This is the most important thing for us to understand when we're talking about the human right to water, and that is, we're, as I said earlier, we're in a race against time with the destruction of the world's accessible clean water system. The same water that was always here is still here, but we are polluting it, we're diverting it, we're damming our rivers to death. Most major rivers don't reach the ocean anymore. We're extracting groundwater way faster than nature can replenish it. So we are mismanaging water. We have seen water as a resource for our pleasure and profit and as a form of industrial development, instead of understanding that it's the essential element of a living ecosystem that gives us all life. Alors, c'est l'élément le plus important à comprendre. On est vraiment dans une course contre la montre présentement pour sauver l'eau, on pourrait dire. Présentement, on est en train de détruire totalement les sources d'eau potable accessibles dans le monde par la pollution, par les barrages. Présentement, en fait, c'est qu'on considère l'eau comme une ressource qu'on utilise pour faire du profit, alors qu'on devrait la considérer comme un élément essentiel pour la vie, pour les écosystèmes. We are destroying water separately from climate change, as we've understood greenhouse gas-induced climate change. I mean, even if we stopped every greenhouse gas emission in the world tomorrow, we would still have a water crisis. On a compris pour les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut s'attaquer à la crise climatique. Mais même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre demain, on aurait encore une crise mondiale de l'eau. But we also have climate change. And climate change means that our waters are warming faster than they should be, and we're getting less ice cover. And that's the story of the Great Lakes, which is partly why the invasive species are able to enter the Great Lakes, and why Lake Erie, for instance, is in such trouble. Of all the Great Lakes, Lake Superior is warming the fastest, and there's great concern around how fast that is happening. Mais donc, les changements climatiques, ça reste un enjeu, surtout pour l'eau. Et présentement, le problème, c'est que nos lacs se réchauffent très vite
Et notamment, c'est ce qui explique pourquoi il y a des espèces invasives qui sont capables de se rendre maintenant, par exemple, dans les grands lacs ici au Canada, et notamment le lac supérieur là, qui se réchauffe très bien. And we have to understand that the glaciers around the world are melting, really melting, including in Canada. They're all pretty well slated for melt. I don't know if you saw the recent report on the Himalayas, but we've got a situation in India, for instance, where they're actually able to quantify how fast those glaciers are melting and how they're going to impact 1 billion people. So climate change is having an impact on water in a way that maybe feels harder to see, but is extraordinarily there. Donc, les glaciers fondent, ça c'est clair. Et notamment, par exemple, les glaciers de l'Himalaya fondent aussi, ce qui va avoir un impact important sur les populations locales, sur leur source d'eau potable également. So we have situations like China, where since 1990, over half of the major rivers are gone. They disappeared. They don't know where they went. Well, I know where they went. They went to all the stuff that everybody buys around the world. And also for hydroelectric development for coal-fired plants. Alors depuis 1990, la plupart des rivières en Chine ont disparu. On ne sait pas où elles sont allées, mais bon, on le sait un peu, c'est pour faire toutes les, je dirais, gogos, ça serait la bonne traduction, qu'on utilise et qu'on achète tout le monde. Or we have Brazil as an example. These are water-rich countries. China is water-rich, was water-rich. The United States, water rich, except the Ogallala Aquifer that goes down the spine of the United States and was once the size of Lake Huron, they say will be gone in our lifetime. Absolutely gone. Donc, il y a des pays qui avaient énormément d'eau, comme les États-Unis, le Brésil, mais il y a des rivières qui risquent de disparaître complètement, même dans ces pays-là, qui avaient énormément d'eau avant. And in Brazil, because they've cut down so much of the Amazon, the vapors that the rainforest gives off, they're called flying rivers. It used to carry rain in these atmospheric rivers down to the south, aren't reaching the south anymore. And so we have, for the very first time in recorded history, massive drought in the lower southern parts of Brazil. Donc, en coupant l'Amazon au Brésil, ça a amené vraiment une sécheresse là, qui est une première, finalement. So what we need to start understanding is that we can't promote and protect the human right to water unless we protect water. And understanding the connection between those is incredibly important. Alors on ne peut pas protéger le droit humain à l'eau sans protéger l'eau, et les connexions entre les deux sont essentielles. One of the things I noticed early on in doing the work that I do is you get the environmentalists and scientists over here sounding the alarm about the crisis, the ecological crisis, and then you get the human rights people and the anti-poverty and the community workers over here and the aid people over here around the human rights issues, and they don't meet. They're, you know, one seems to have nothing to do with the other. Well, you can't protect the human right to water if the environment is destroyed. If there's nowhere for people to get clean water, if it's all gone, if the groundwater is gone, you can have all the laws in the world. If there isn't clean water there to access, there isn't clean water there. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est les environnementalistes et les scientifiques d'un côté qui vont alarmer à propos de la crise environnementale, et de l'autre côté, il va y avoir les militantes des droits humains, notamment pour les plus démunis également, et qui ne vont pas nécessairement se parler entre les deux, mais on ne peut pas défendre le droit humain à l'eau s'il n'y a pas d'eau. But equally, you can't ask people to take care of a river system if they don't have sanitation. I was in one slum in Kenya, where there's about 1 million people there, and there's no sanitation, none. And they use what they call flying toilets. They defecate into plastic bags and throw them into the water. So if you want to protect the environment, You have to protect the human right to water. We have to put these together. And if you want to protect the human right to water, we have to restore, we protect and restore watersheds.
Et le contraire est aussi vrai, donc on ne peut pas demander aux gens de protéger des sources d'eau potable, des rivières par exemple, s'ils n'ont pas de système d'assainissement. je ne vais pas traduire cette partie-là avec les sacs de plastique. des moyens, c'est ça, quand il n'y a pas de service d'assainissement, on ne peut pas protéger l'eau. Donc, on ne peut pas protéger le droit humain à l'eau sans protéger l'eau, et on ne peut pas protéger l'eau sans protéger le droit humain à l'eau également. And a really positive, because I know I'm telling you a lot of tough stuff, and I'm sorry. But a really positive development is the whole concept of the rights of Mother Earth or the rights of nature. Alors, le concept, en fait, c'est d'allier là, les droits de la nature, le droit des humains également. Which is basically a movement to promote the notion that we need laws that protect nature the way we have laws that protect humans. And we have to change our legal systems so that we're not the overlords of nature, that nature has rights, that we understand that water has a right to exist even aside from its service to us. It provides healthy ecosystems, it provides water for other species. We need it for life, the planet needs it for life, and we have to start thinking differently. We need to be much more humble in our thinking and our relationship with water. Donc, notre système judiciaire complet qui devrait être changé, en fait, qu'on ne soit pas là, les tout-puissants de ce système-là, et de reconnaître que la nature a des droits. L'eau a un droit intrinsèque à être protégée pour tout ce qu'elle apporte à la nature, pour en fait, son droit, en fait, c'est ça, sa valeur intrinsèque, et pas seulement sur, à cause de qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous, les humains. And there are wonderful examples around the world where people are taking an earth centered approach. So it's watershed restoration, wetlands, and just understanding that you have to bring back nature, you have to protect nature, and it will come back. You can see recoveries in places that you can't imagine that could have happened. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on protège les droits de la nature, il y a possibilité de restaurer des écosystèmes comme on n'aurait pas cru que ce serait possible. I was in the southern part of Australia a few years ago, and they had that terrible, terrible drought, and the Murray Darling was no longer reaching the ocean, and the major cities there literally had no water. Alors, en Australie, là, il y a notamment une rivière complètement séchée, puis les villes principales n'avaient pas accès à l'eau. And one decided to build massive desalination plants, which are energy intensive, very expensive, and they put a polluting brine back out into the ocean that destroys all the barrier reefs. Alors, ils ont décidé d'installer des usines de désalinisation, donc enlever le sel là, de l'eau de mer, mais c'est très polluant, ça prend beaucoup d'énergie également. But another had this wonderful engineer who convinced City Hall to let him try something different, and they built hundreds of wetlands and hundreds of open areas where they could store water, and they put plants and wildlife that eats pollution basically and that cleans water, and they have restored a desert. There are birds back there that haven't been there for years and years. Animals have come back. They're actually now able to sell their extra water to the other city because the other city's desalination plant isn't working. We know what we need to do, and it's nature's answers. It's caring for soil. We've got to stop putting heavy chemicals and this heavy industrial farming. The way we grow food in this country is not the way we grew it even 10 years ago. The way we produce energy, we have to ask the question in every case, what is the impact on water? And if the impact is harmful, we have to go back and change it, and we can do that. And I can tell you, it is happening in many places around the world. Alors, contrairement à cette idée d'usine de désalinisation, il y avait une autre personne qui a proposé plutôt de restaurer des milieux humides et en mettant des plantes qui allaient finalement filtrer l'eau et tout ça. Ils ont réussi à complètement restaurer le désert, à s'assurer que finalement le désert redevienne avec de l'eau. Et c'est de se tourner vers des réponses offertes par la nature. C'est la même chose qu'on devrait faire avec l'agriculture aussi, se tourner vers un modèle qui respecte mieux la nature et toujours se demander qu'avant de faire quelque chose, quel est l'impact sur l'eau. Okay? Donc, sachant tout ça, sachant l'impact, la crise, on pourrait dire, mondiale de l'eau et de ce qui va s'en venir dans le futur,
cette crise-là, est-ce que le problème, on se fait souvent demander la question, même nous, là, au secours, est-ce que le problème de la crise mondiale de l'eau réside dans le fait qu'on a un manque d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau pour la population mondiale, ou est-ce qu'on a suffisamment d'eau pour répondre aux besoins grandissants de tout le monde? A very important question. If you look at the statistics on water and demand, the statistics for demand are going straight up and the statistics for supply are going straight down. There's an arrow going one way and an arrow going the other way. The United Nations says that, well, 3.6 billion people right now live in areas that have severe shortage of water at least a month a year. They say that could be 5 billion people within another 15 years, and within another 25 years, it could be as many as 7 billion, not millions, billion people living in areas of the world without adequate access to water. I wrote one chapter in one of my books, and I said, where has all the water gone? And that's the question here. Alors, quand on regarde les statistiques de l'eau, la demande grandit de façon fulgurante alors que, bon, on peut dire, l'offre en eau diminue. Et on s'attend à ce que d'ici quelques temps, ce sera des milliards de personnes qui vont vivre dans des endroits du monde avec peu d'accès à l'eau. Et, part of the answer, of course, is that we, as I said earlier, take water for granted all over the world. So we take down forests without understanding the role forests play in protecting water. And we take down wetlands without understanding the way they protect water, and then we create deserts, and we wonder why the desert, where the deserts came from. Alors la question, ce qu'elle disait dans son livre, elle demande où est allée toute l'eau, et c'est qu'on réalise pas que quand on détruit les forêts, quand on détruit les milieux humides, ça fait un peu disparaître l'eau, le final. There was a very important study about the 1930s, when there was the Dust Bowl in Canada and the United States, and all of the western part of the hemisphere dried up, and they had all those dust storms and dreadful poverty, and no food was produced. Alors, il y a eu des endroits dans le monde où est-ce que justement de manque d'eau a porté de sécheresse, de manque de nourriture également. People have known for years that one of the factors was that they cut down the prairie grass really fast. And what happened then was the prairie grass turned to dust and started to blow around. Everybody knows that. They've known that since the 1930s. Donc depuis les années 30, on sait que le problème c'est que les prairies ont été complètement coupées, là, ce qui a amené énormément de poussière. But they thought, coincidentally, that a big drought came along at the same time. Now scientists are saying, no, it wasn't a coincidence at all. The removal of the grassland and the drying up and creation of desert changed the local hydrologic cycle. The rain didn't come back because there was nothing for it to fall on that would welcome it in a way. You need sun, you need, for the hydrologic cycle to work, you need vegetation, you need earth, and you need sun, and you need that cycle. And if you remove either the water from the land or the vegetation from the land, you've profoundly changed the local hydrologic cycle. Alors, à l'époque, ils pensaient que c'était une coïncidence qu'il y avait eu une sécheresse au même moment, mais non, on se rend compte que de couper les prairies a complètement brisé le cycle de l'eau, et pour un bon cycle de l'eau, ça prend du soleil, ça prend de la végétation, ça prend de l'eau, évidemment. And as a result, there's desertification growing in more than 100 countries. Et à cause de ça, bon, ben, y a la désertification qui augmente dans plusieurs pays. The second part of the question, I think, is allocation. We have given so much power over to corporations, to industry, to mining companies, to big industrial agriculture, to fracking, to all of the ways in which water gets destroyed. And then we wonder why it's not there for the local people, or why it's becoming so expensive, because water is becoming more and more expensive to provide for people's services. Et une autre question importante sur ça, c'est l'allocation de l'eau. Donc on a donné énormément d'eau, énormément de pouvoir sur l'eau.
aux compagnies minières, aux grands complexes d'agriculture, aux compagnies qui font de la fracturation hydraulique, aux entreprises qui vont embouteiller l'eau. Et après ça, bon, on se demande pourquoi il ne reste plus d'eau pour les gens, pourquoi ça coûte si cher aussi fournir de l'eau potable municipale. There are parts of the world right now where elected officials are making decisions about limited, finite resources of local water and saying that bottled water company can have it, this village cannot. That free trade zone can have it, that industrial park can have it. These are decisions that are made by neoliberal governments or people who want to be neoliberal governments and who want to bring the industrial miracle to their countries or their communities. And they are literally, as we speak, making decisions that some people can die. And I can give you examples around the world where these decisions are being made. This village isn't making any money. We can make money from this water if we put it here. And so the allocation is very often for corporate profit, for-profit use. Alors, il y a plusieurs pays dans le monde avec des pratiques néolibérales qui sont en train de se questionner et qui vont offrir, par exemple, à des compagnies des sources d'eau potable si, et l'enlever là, des populations locales si ce n'est pas suffisamment rentable. Et ce sont vraiment là, des gouvernements présentement qui prennent des décisions là, qui vont causer la mort là, de personnes. And bottled water is a wonderful example of this. When we allow a company, a transnational company like Coca-Cola or Pepsi or Nestle, to come into our communities and take the water for very little money, put it in plastic, and we are buying a million plastic bottles every minute in our world. That's how much water. Every year now, we produce in this world plastic bottles, single-use plastic water bottles, that if you put end-to-end would reach halfway to the sun every single year. And 91% of that plastic is not recycled. And even if it's recycled, it's going to come back in another form. It's on the earth somewhere for 400 years. Mostly now it's in our oceans, in our waters, and in our forests. Donc la question de l'allocation est très importante aussi au niveau de l'eau embouteillée avec les grandes compagnies comme Pepsi, Nestlé, Coca-Cola qui vont aller puiser notre eau potable et vont nous redonner pratiquement rien. Et en échange, vont produire énormément de plastique. En fait, on estime qu'il y a 1 million de bouteilles de plastique qui est consommée chaque minute dans le monde et qu'il y a suffisamment de bouteilles de plastique consommées par année. Pour si on les mettait une à une, on se rendrait jusqu'à la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil, et 90% de ces bouteilles-là ne sont pas recyclées dans le monde. So what we need to do in every jurisdiction is establish a set of priorities for access to water, and that is that we need to say it isn't just for who got there first, or who has the most money, or who knows somebody in cabinet. Or whatever, it's got to be based on community priorities, which is really important to have the community involved in it. Alors, il faudrait que les gouvernements s'entendent sur des critères de priorité de qui doit avoir accès à l'eau, pas seulement qui arrive en premier, qui veut faire du profit avec cette eau-là, mais vraiment les priorités pour les communautés, puis que les communautés soient impliquées dans cette décision. I was involved in helping write the legislation for the groundwater protection for Vermont in the United States, only because this woman who runs the major environmental group there heard me once, and she thought, oh, well, our groundwater is protected in Vermont, and went back and asked her legal team, and they said, no, it's not at all. So she said, would you help us do that? Alors, elle était au Vermont pour aider une dame là, qui pensait que ses sources d'eau potable étaient protégées alors qu'elle ne l'était pas du tout. And right in the legislation, it says that in times of any kind of crisis or competition or conflict, there are 3 priorities for the groundwater and surface water of Vermont. Alors, maintenant, il y a 3 priorités en termes de, s'il y a des crises, il y a 3 priorités pour l'allocation des sources d'eau potable au Vermont. The first, of course, is for drinking water for people's needs, just for the people, for the population. The second is to protect the ecosystem. And the third, very interesting, is to protect local food production, but not food production for massive export.
So they're saying the water that's here needs to be we need to try to keep it in the ecosystem, and we need to use it to feed ourselves, not for big corporate farms to make tons of money using our water, as they do, say, in California, where they are making 80% of the almonds for the world, and a very small, wealthy group of industrial farmers, farm investors really, are making the money. We really need to take much more control of our local water sources. Donc, au Vermont, les trois priorités en cas de crise, c'est les besoins de la population pour boire notamment, les besoins des écosystèmes et finalement la production locale de nourriture et pas pour l'exportation. Par exemple, en Californie, là, c'est 80% des amandes du monde qui sont produites là. Et donc, il y a énormément d'eau qui est utilisée pour l'exportation de nourriture. So this would be a good next thing to ask for here in Quebec. Donc, ce serait une bonne chose à demander ici d'avoir ces critères de priorité-là au Québec. Donc, on voit que ce n'est pas comme ça une question de quantité d'eau. Oui, il y a quand même les ressources d'eau potable qui sont en train de disparaître, mais c'est surtout une question aussi d'allocation de l'eau, comment, qui y a accès. Et présentement, on a parlé de la crise mondiale de l'eau, et dans les écoles de commerce du monde entier, les étudiants et les étudiantes présentement apprennent que la solution à la crise mondiale de l'eau, c'est de commercialiser et de laisser le marché décider de qui obtient l'eau et de comment. Donc, ils veulent commercialiser l'eau. Et il y a même, en fait, le président de Nestlé et conseiller de la Banque mondiale, Peter Brabeck, qui a déclaré qu'il donnerait 1,5%, c'est généreux quand même, 1,5% de l'eau mondiale aux pauvres. C'est ces mots-là, pas les miens, là. Et permettrait après ça le marché de gérer le restant de l'eau de la planète. Donc, selon vous, est-ce que la marchandisation de l'eau, c'est vraiment un bon moyen pour répondre à la crise mondiale de l'eau? Well, you might be surprised to know that I'm against water privatization. It's simply the very worst thing we can do if we want to protect the world, the planet's water, and the human right to water, is allow it to be owned and operated, usually in secret, by private investors and private interests. That's not to say that the private sector doesn't have a role to play in laying pipes or coming up with new technology. I'm not saying that. But we mustn't allow the decisions about who has access to water and what happens to water and who gets it first and who gets it most, it must not be allowed to be decided by the private sector, because then the profit motive comes in, and that has to trump everything. That's what they call the dead hand of the market. You have to make money for your investors, and you have to do what you have to do to make that happen. Alors, évidemment, il n'est pas pour la privatisation de l'eau, pour la marchandisation de l'eau, ça c'est certain. Et le gros problème, en fait, c'est que, oui, évidemment, les compagnies privées peuvent aider pour aller chercher de nouvelles technologies, installer des infrastructures, par exemple, mais les décisions de qui a accès à l'eau, comment on distribue l'eau, ça ne doit pas être laissé au secteur privé, parce qu'alors, c'est la main visible du marché qui prend et c'est le profit avant tout. And we know in cases all over the world, including here in Quebec, here in Canada, that when corporations get access, like through a mining company or whatever, they get access to years and years of helping themselves to water, they do what they want. And the community, including elected officials, very often feel they have absolutely no power over how to protect that water. Et on le voit dans énormément d'exemples partout dans le monde, même au Canada ici, à partir du moment où une entreprise privée là, se met à détenir finalement l'eau, il n'y a plus aucune possibilité là, pour la communauté. La communauté est vraiment laissée de côté. And when they're finished and they move away, whether it's a big energy company or a big mining company or a big fracking operation, once they're finished with it, or a bottled water operation and that's the end of the water, they move away and they leave us with the bill to pay, and we have many examples across the world, but certainly in Canada, to prove that that's still true.
Donc, quand la compagnie elle a terminé, quand elle a fait son profit et qu'elle s'en va, que ce soit une entreprise qui a monté de l'eau, des mines, des entreprises qui font de la fracturation hydraulique, ils vont nous laisser après ça là, avec les puits bon, qui ne restent pratiquement rien ou qui sont contaminés. There are many forms of privatization. The one that we know, I guess, the best is privatization of municipal services, drinking water and wastewater services. It has been so proven, so unpopular around the world that since the year 2000, 267 municipalities, some of them really big, like Paris and Berlin, that tried privatization and said, that's a mistake, have gone back to public management of their water. It's absolutely the direction is in the progress now is from private to public. The love affair with privatization of municipal services is gone. It's over. Donc, un exemple de privatisation qu'on connaît beaucoup pour l'eau, c'est la privatisation des services de gestion de l'eau potable et des eaux usées. Et depuis les années 2000, en fait, ce qu'on voit, c'est de plus en plus les villes qui ont privatisé leurs services d'eau vont remunicipaliser leurs services d'eau. En fait, il y a 267 municipalités à travers le monde, dont des grandes villes comme Paris et Berlin, donc qui ont essayé, qui retournent faire une gestion publique. Alors, la lune de miel de la privatisation des services de l'eau est vraiment terminée. But there are many other forms of water privatization. Big companies getting 90-year contracts in the global south, land and water grabs by foreign investors or countries looking for water sources. There's an area three times the size of Great Britain that's been taken up in land and water grabs in Africa alone. And they get the right to do whatever they want with that soil and that water for the lease period that they have. That they own the water. Alors, il y a d'autres formes quand même de privatisation, notamment des contrats qui, de 90 ans là, sur la possession d'un territoire et de l'eau qui la contient, notamment dans le sud. Et par exemple, il y a trois fois la taille du Royaume-Uni là, qui est détenue comme ça par des compagnies là, pendant 90 ans. And there's also water trading, which we have in Alberta. And certainly they have in the west of the western states of the United States, where what they call first in time, first in right. So if you got the right to a certain amount of water as a rancher or as an industry 100 years ago, you have it in perpetuity. And you get farmers and investors literally selling the water underneath their ground. They're separating the water and selling it for profit. Je ne savais pas ça. Alors, même en Alberta aussi, on a une autre forme de privatisation, que c'est vraiment de l'exportation, on pourrait dire, de l'eau. Alors, selon un principe qui c'est le premier dans le temps, le premier dans ses droits. Donc, par exemple, s'il y a 100 ans, des agriculteurs ont depuis 100 ans le droit à une source d'eau potable, ils le détiennent toujours. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont souvent l'envoyer là, dans le sol, ils vont aller exporter leur droit, finalement, leur eau. Là. There's also something called water pollution trading, and that's exactly like cap and trade with air. And that is where a big polluter, can be a factory farm, it can be a desalination plant, an energy plant, a mine, can actually buy the right or trade the right to continue to pollute water. And there are big experiments on this now in the United States, and there's discussion about some experiments in Southern Ontario. Il y a une autre aussi façon de privatiser l'eau, de faire des échanges commerciaux du moins, c'est de vendre des permis de polluer l'eau, un peu comme la vente de permis de pollution, là, de, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. And then there are trade agreements. And if you get me started, you'll have to take a sheet to get me off, right? But trade agreements do threaten water in many ways. Alors, et le dernier non le moindre, les accords de libre-échange et qui vont aussi finalement faire des échanges là, commerciaux d'eau. I started getting involved in the issue of water back in the 1980s when I was reading the Canada-US Free Trade Agreement, which was the predecessor to NAFTA, and looked at the annex that described what was a tradable good and therefore subject to the rules, right, of trade. And there was water in all its forms, including ice and snow. And I thought, what? What? How can water be a tradable good?
but I don't understand. I mean, for me, water came out of the tap. These were sort of pre-bottled water days. I'd never thought of it, right? And that set me on a journey asking the question, well, who owns water? Who's making decisions about water? And what I found out really scared me. Et en fait, dans les années 80, c'est comme ça que Maud a commencé à s'intéresser à la course de l'eau. C'est quand elle lisait à l'époque le prédécesseur de la NENA, puis elle s'est rendue compte que l'eau pouvait être échangée dans les accords de libre-échange comme une marchandise, que ce soit sous toutes ses formes, dont la neige et la glace que ça demandait. Comment c'est possible? Comment l'eau pouvait être échangée comme une marchandise? In ELENA, NAFTA, they actually then added the right for corporations, as you probably all know, to sue governments of another country, foreign investors to sue governments directly, if they think that their new laws or even the way they interpret current laws are discriminating against their right to profit. Et dans l'ALENA, ils ont ajouté le droit des gouvernements de poursuivre les autres gouvernements. Et notamment ici au Canada, on a beaucoup payé pour ça, là, le gouvernement américain qui nous poursuit quand on veut protéger, par exemple, notre environnement, par exemple. And under NAFTA, Canada has been sued way more than, well, the United States hasn't lost any challenge. We've lost a bunch, we've paid over $200 million. We have another billion plus challenges still out there, even with the so-called new NAFTA. And two-thirds of all of the cases have to do with environmental regulations, very often to do with water. Et donc, oui, au Canada, on a énormément payé. On a déjà payé 200 millions de dollars, comme ça qu'on a dû payer au gouvernement américain là, pour avoir voulu protéger notre eau. Et il y en a même là, 1 milliard là, qu'on risque peut-être de payer parce que c'est encore en cours. So although the new NAFTA, which has not been ratified by any of the three countries, although there are problems with it, new other problems, the two decent things that we are more pleased about is that between Canada and the U.S., this Chapter 11, ISDS, this ability of governments to sue, is gone, and also a clause on proportionality of resources, which said that once you start sending a certain amount of energy or water, whatever, commercially to the U.S., you have to continue to supply. That's gone too. Now, there are other issues with the new agreement, which we can get into, but from a water perspective, there has actually been an improvement, and there's been a real fight against water being threatened by these agreements all over the world. It's not just here in North America that concern exists. Donc, dans le nouvel ALENA qui n'a pas encore été ratifié par les pays, ce qui est quand même intéressant, ce qui est une bonne nouvelle malgré tout pour l'eau, c'est que bon, ce chapitre 11 là, qui permet aux autres pays de nous poursuivre si on veut protéger notre environnement ou notre eau, a été retiré. Et le principe de la proportionnalité de l'énergie et de l'eau, donc quand on fournit une certaine quantité d'énergie ou d'eau, par exemple aux États-Unis, on doit toujours fournir la même quantité. Ça aussi, ça a été retiré, ce qui est très important et une bonne nouvelle pour l'environnement et pour l'eau. Mais il faut comprendre que quand même, c'est une bataille là, qui est menée dans plusieurs pays là, de s'assurer que l'eau ne puisse pas être échangée dans les accords de libre-échange. Just one last example, the country of Estonia is being sued for millions of dollars by a British private water company that runs their water because the government there refused to allow them again, they kept doing this, to raise the water rates again because the people can't afford it. So governments lose control when these private companies come in either to run your water system or they establish rights in pulp and paper industries or fracking or whatever, then they can actually claim to own the actual water. We actually have a case of that from Newfoundland. So it's more than just being able to influence government policy. It's actually the ability of these companies to say, this water may be in your territory, but we now have control over it. Donc, un exemple intéressant, en Estonie, là-bas, il y a une compagnie qui provient du Royaume-Uni qui veut augmenter là, de façon importante le prix de l'eau et la population là-bas qui est plus démunie n'est pas capable de payer. Et en fait, c'est un bon exemple là, que partir du moment où est-ce qu'on ouvre la porte à des entreprises étrangères, selon les accords de libre-échange, de venir ici comprendre le contrôle de notre eau, de venir s'approprier notre eau. Après ça, c'est vraiment difficile là, de reprendre ce contrôle-là.
Et bon, ben écoutez, la dernière question, et après ça, on va prendre vos questions à vous, parce que je suis certaine que vous avez énormément de questions pour Maud. Alors, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est la Journée mondiale de l'eau aujourd'hui, et on a eu une très grande annonce. La Ville de Montréal et l'Université McGill sont les deux devenues des communautés bleues. Au Québec, le projet... Et au Québec, le projet Communauté bleue a été officiellement lancé là, en novembre dernier. C'est Au Secours qui dirige cette campagne-là au Québec. Et depuis novembre, on est donc rendu aujourd'hui, ça nous fait 6 communautés bleues. Donc avant, il y a Amqui, il y a Delville, Nicolette et Rivière-du-Loup qui sont aussi devenus des communautés bleues. On va en avoir des prochaines aussi dans les prochains mois. Donc, ça connaît un très bon succès ici au Québec. Mais j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de ce projet-là. Quelle est cette initiative-là et comment cette initiative-là a vu le jour au Conseil des Canadiens? Well, first of all, Alison, I want to say that Au Secours and all the people you work with have done a fabulous job here in Quebec. Really, you made a decision about a year ago, I think, to make blue communities a priority. And you've just done an incredible job, and I just want to say félicitations. This is absolutely exciting. What's happening in Quebec now is part of a what I think is now really a global movement, and I just want to thank you for that. I love the concept of blue communities because it's positive. You know, we in this room, I bet I'm with a lot of activists here, and we're always fighting against something, and it's really wonderful to be for something. And that's one of the beautiful things about blue communities is it's a positive vision that you can get behind. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec le projet Communauté Bleue, c'est que c'est quelque chose de positif, là, contrairement à ce qu'on est habitué de faire en tant que militant et militante, de toujours être contre les choses. Donc, ce qui est intéressant du projet, c'est que c'est positif. We started this 10 years ago this coming fall at a conference that the Council of Canadians and the Canadian Union of Public Employees put on in Ottawa, and we launched the Blue Communities Project then. Because Stephen Harper, as Prime Minister, was saying to municipalities that wanted to put money into water infrastructure, either new or existing, all those old pipes, he said that if they wanted federal funding, the condition was that they had to move to a public-private partnership. Donc, il y a 10 ans, le Conseil des Canadiens, le syndicat canadien de la fonction publique ont décidé de lancer le projet Communauté bleue parce que le gouvernement Harper disait aux municipalités à l'époque, si vous voulez avoir du financement du gouvernement fédéral pour vos infrastructures d'eau, vous devez absolument faire des partenariats public-privé. And although I'm sure Stephen Harper would have listened to me if I had a chance to chat with him, not. We decided we weren't going to change his mind. That's who he is, and that's his agenda. We had to go from below. The only way to have a buffer against that was to go to municipalities and say, pass a resolution that you're not going to allow this privatization, that this water is a public trust, so that when they come to you, you've already made that decision. And that was the impetus for doing it. We can thank Stephen Harper. Thank you, Stephen Harper, for this movement. Alors, ils se sont dit à l'époque, bon, on n'arrivera pas à changer qui Stephen est, finalement. Et donc, on va aller plutôt au niveau des municipalités. On va leur dire, regardez, passez cette résolution-là pour dire que vous êtes contre la privatisation, que vous êtes pour la gestion publique de l'eau. Et comme ça, quand ils vont arriver, vous allez pouvoir dire, ben, c'est pas possible, on a passé la résolution. There are now 21 municipalities in Canada that are official blue communities, and it's growing all the time, particularly grâce à Québec. Alors, présentement, il y a 21 communautés bleues à travers le monde et ça n'arrête pas de grossir particulièrement grâce au Québec. C'est sûr que quand même, avec 6 sur 21, c'est pas mal. But to my surprise, it's moved to other parts of the world and it's moved to institutions other than municipalities. We always thought of it just as a fight back against Harper here in Canada. Mais à la grande surprise, c'est vraiment rendu maintenant un mouvement mondial. Et alors que quelque chose qui était vraiment contre Stephen Harper ici au Canada, c'est rendu un mouvement mondial. 5 years ago, I was in Bern, Switzerland,
because I was fighting Nestle. That's where they, my husband says they hide there. They give all sorts of money to all the, they have no law in Switzerland that you have to disclose what corporations give you as a politician. There's no disclosure law, and there's no law about how much they can give you. And so it's quite understood that Nestle just hands over a lot of money, right? So I was in Bern and I met the then mayor of Bern, wonderful guy, a red-green guy named Chapa, just died last year. I'm very sorry, wonderful man. And I told him about Blue Communities. He said, we're gonna do it here to get back at Nestle, our quiet way. And so they invited me back the next year, and Bern became the first Blue Community city outside of Canada. And the University of Bern and the Reformed Church of Bern all became Blue Communities. Alors, il y a 5 ans, elle était à Berne, en Suisse, et bon, là-bas, elle constate que Nestlé se cache là-bas. Et le maire voulait justement aller contre Nestlé et dire on va devenir communauté bleue. Alors, la ville, l'université et l'église là-bas de Berne sont devenus tous les trois des communautés bleues. And now it's all over Bern, all over Switzerland. They have trade unions and high schools, and I mean, it's really taken off. They've got a full-time coordinator. But then it started to spread to other cities, big cities in Europe. Paris, 10 years ago, had brought their water under municipal management after it was run by Suez and Veolia for years and years. They decided they didn't ever want to do that again, so they became a blue community 3 years ago. Après Berne, ben, ça s'est rendu partout en Suisse, le projet Communauté Bleue, et même partout ailleurs, plusieurs endroits en Europe, notamment à Paris, qui a récemment repris un contrôle public de son eau. And as part of the harsh measures that the European Union was putting on poorer countries, Italy, Greece, and Spain, for their debt relief, you'll remember that a few years ago, they were told, start selling everything. The Greeks sold the port of Piraeus to the Chinese government. I mean, literally, they're physically selling their assets. And one of the things that the government said, or the EU said, was you must sell off your water services. Et bon, après la crise financière de 2008, notamment l'Union européenne a demandé là, à l'Italie, l'Espagne, la Grèce de vendre leurs actifs, notamment leurs actifs de gestion municipale de l'eau. Et là-bas, bon, il y a même la Grèce qui a vendu son port à la Chine et ils devaient prendre cette pression-là là, de vendre leurs services d'eau à des compagnies privées. Some of them already have, but some of them had a huge opposition, and now Thessaloniki and Madrid and a number of others, soon I hope Barcelona, are blue communities. And this is a very exciting development because it's not just saying no to privatization, it's saying yes to a whole vision of how they're going to care for their water and their people in the future. Donc maintenant, il y a Madrid, il y a une ville aussi en Grèce qui sont devenues des communautés bleues, donc qui ont choisi de non seulement dire non à la privatisation, mais aussi aller vers quelque chose de positif par le projet de communauté bleue. In Germany, Berlin, Munich, several other cities have all become blue communities, and Berlin was very important because 20 years ago, Berlin privatized its water services, and they set up a huge group of opposition, a wonderful group of activists. It took years for them to get their water services brought back into public hands, and it was very divisive. But just 3 months ago, I was in Berlin again, I've been many times, and they officially became a blue community. And it was a very moving ceremony because it was something that all the fighting sides came together and said, now this feels right. This is the vision and the future for our city. Donc, et depuis même, il y a la ville de Berlin qui, il y a 20 ans, là, avait privatisé ses services d'eau potable. Et ça fait 20 ans donc, qu'il y a eu des campagnes contre cette privatisation-là. Ça l'a vraiment déchiré, on pourrait dire, là, la ville. Et il y a 3 mois, là, elle était là-bas pour remettre officiellement la certification comme nôtre. And all the German cities added a fourth principle. And the fourth principle is that they're going to promote public-private partnerships rather than public-private partnerships when they twin with cities in the global south. So they're going to send their public sector engineers and workers and experts to work with the public sector in cities that they work with in the global south and not to promote these big water companies. And of course, the two biggest in the world are from Europe, they're from France.
So they're not happy with this at all. Alors, le projet Communauté Bleue, il y a trois critères, évidemment, on ne l'a pas mentionné, là, mais c'est le nous, on sait c'est quoi le projet Communauté Bleue, mais c'est pas tout le monde. Donc, le projet Communauté Bleue, les municipalités s'engagent à faire trois choses. C'est reconnaître le droit humain à l'eau potable et aux services d'assainissement, promouvoir une gestion publique de l'eau et d'eau potable et des eaux usées, donc aller contre la privatisation. Et le troisième point, c'est de bannir les bouteilles d'eau dans les édifices municipaux ainsi que dans leurs événements. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'en Allemagne, il y a une quatrième clause qui a été ajoutée, de faire des partenariats publics-publics avec les pays du Sud, où les villes vont aller aider les pays du Sud pour développer leurs services d'eau potable et non pas laisser des grandes entreprises comme Veolia, Suez aller dans les pays du Sud. And maintenant, avec Montréal, there are more than 15 million people living in official blue community cities around the world. Alors maintenant, grâce à Montréal, il y a 15 millions de personnes qui vivent sous des municipalités reconnues communauté bleue dans le monde. And now we have faith-based. We have faith-based communities. The World Council of Churches, representing 500 million Christians around the world, have become a blue community. And the language of their commitment is around their belief is if their belief in God and their faith tells them to protect the earth, to protect all species, to protect the equal access to water, to protect public water. It's just a beautiful, beautiful statement. And I want for us to have faith-based groups of all faiths start to take this up, because I think it's just the perfect, perfect project for faith-based communities. Et il y a aussi des groupes religieux qui deviennent des communautés bleues, et pour elles, ce sont vraiment là, au niveau de ce que Dieu, la création, finalement la protection de la création, protection de l'environnement, protection de l'eau dans cette perspective-là. Et ce qu'elle voudrait aussi, c'est que tous les groupes religieux, toutes les religions là, se joignent au projet. So just in closing on this question, I want to say how thrilled I am, how important it is that the city of Montreal, the University of McGill, became blue communities today. It's a huge commitment. It's a sign of leadership. It's a sign of vision. And it's a sign of hope. And we really need hope in our world. Hope is a moral imperative. And particularly when we're working with young people. I mean, some of these statistics that I've given tonight are pretty hard to hear when you know you've still got, I don't know, 70 or 80 years in front of you, and you think, wow, when's it going to hit me, or when's it going to hit my generation? So it's really important that we have signs of hope, and the fact that this university and this city took this step today is just absolutely tremendous. Eh bien, que la ville de Montréal et l'Université McGill deviennent des communautés bleues, c'est une étape, c'est une très grande étape, très importante également. Et ça donne un petit peu d'espoir quand même, surtout bon, pour les plus jeunes générations qui leur restent peut-être encore 70, 80 ans à vivre et qui se disent « Wow, cette crise mondiale de l'eau, quand est-ce qu'elle va me frapper? Quand est-ce qu'elle va frapper ma génération? » Donc, c'est très important et ça donne un peu d'espoir. And it's my dream that the world, the whole world goes blue. One community at a time. Alors, en terminant, je veux dire que c'est notre rêve commun quand même, que tout le monde devienne bleu au complet, une communauté à la fois. Donc, merci beaucoup, Maud, toujours super intéressant.